t'arrive à toi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, calme-toi. La fête? Je vais partir, monsieur Elmer, à moins que vous ayez encore besoin de moi. Sven, depuis le temps que je le dis, quand vous déciderez-vous à m'appeler par mon prénom, je suis d'accord. Ce n'est pas une bonne idée. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de moi. Je n'ai pas peur de vous. Je suis très content de votre travail, mon petit Sven. Villa Elmer? Oui, bien sûr. Madame Gerber. Oui, bonsoir. Thomas, excuse-moi de te déranger, mais Joseph n'est pas rentré à la maison. Tu sais où il peut être à une heure aussi tardive? Et pourquoi tu t'énerves de cette façon? Ça lui est déjà arrivé de ne pas rentrer. Oui, mais aujourd'hui, il voulait qu'on discute tous les deux. Il y tenait. Nous devions nous expliquer. Et de plus... Oui? Le chien se comporte bizarrement depuis mon retour. Mais il est inutile de t'inquiéter, Yana. Mais bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour. 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 Alors, où est le corps? Chez le médecin légiste. D'après les informations que nous avons eues, Joseph Gerber s'est pendu. Il s'agit d'un suicide. C'est ce qu'on a dit à la presse, en effet. Mais alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Nous avons plusieurs indices qui nous portent à croire qu'il ne s'est pas suicidé. Bon, s'il te plaît, appelle le commissariat. Tu as Werner, Riedmann et Axel Richter, viennent ici. Axel Richter, le gars des RG? Ben oui, à présent, il est chez nous. La police est en bas depuis quand? Depuis le milieu de la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. Tu vas devoir être forte maintenant. Je savais que c'était un lâche. Yana, il est mort. Oui, c'est pour ça que je le dis. Je ne l'aurais jamais cru capable d'aller aussi loin. Quand je suis rentrée, il était déjà mort. Je n'ai pas pu le lui dire. Ils ont retrouvé des empreintes dans toute la pièce, sur les rayons, sur le matériel, mais il n'y avait rien sur le verre, bien qu'on ait bu dedans, et rien sur la bouteille. Tout a été parfaitement nettoyé. Et la chaise sur laquelle il a dû monter pour se pendre? Rien non plus. D'autre part, au fond du verre, on a trouvé les restes d'une substance bizarre. Alors peut-être que quelqu'un l'a endormi avec un produit avant de le pendre. Oui, et ensuite, il a effacé toutes les empreintes. Oui, mais alors c'est une grave erreur. La personne qui a fait ça n'a pas très bien réfléchi. Mieux vaut aucune empreinte que celle du meurtrier. Et la substance dans le verre? Non, le coupable a dû paniquer. Cette feuille était sur la table, Léo. Il a écrit une lettre d'adieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a écrit qu'une phrase. Voir page 68.
Sur la A9, en direction de Munich, vous aurez un ralentissement de 7 km entre Garching-Nord et Freimann dans les deux sens. Tu rêves encore, Sven? Oui, j'ai un peu la tête ailleurs. Tu ne vas pas travailler? Je ne pense pas qu'Elmer voudra travailler aujourd'hui. Pourquoi? Il n'a pas écouté la radio. Un célèbre écrivain s'est suicidé. Joseph Gerber est mort. Alors ça y est, il est mort. Ton pire ennemi est mort. Tu le dis comme si je l'avais tué. C'est toi qui l'as tué? Nous devons considérer qu'il s'agit d'un meurtre. Axel, s'il te plaît, tu rentres au bureau et tu me trouves un maximum d'informations au sujet de Joseph Gerber. On en aura besoin. D'accord, je vais m'en occuper. Je vais aller parler à Madame Gerber. La réussite ne lui a pas porté chance. Tu sais quelque chose sur lui? Pas grand-chose. Il a écrit 3 livres qui ont fait 3 succès mondiaux. Et après, il s'est calmé un peu. Excusez-moi, monsieur, qui êtes-vous? Revers, Paul Revers, monsieur. Et monsieur, c'est venu dès que j'ai appris la nouvelle. Qui vous a dit ce qui s'était passé? Yana. Je veux dire, Madame Gerber m'a téléphoné. Vous voulez bien répondre à quelques questions auprès de mes collègues? Vous êtes en retard, Sven. Désolé, mais je pensais que... Vous pensiez quoi? Vous n'êtes pas au courant? Ne dites rien de plus, je sais parfaitement ce que j'ai besoin de savoir. Mais vous n'êtes pas étonné de me voir dans le jardin? D'habitude, je ne sors presque jamais de la maison, mais ce matin, j'ai eu envie de sortir respirer un grand bol d'air frais. Alors, est-ce que c'est comme ça que vous imaginiez le bureau d'un écrivain aussi célèbre? Monsieur Revers, ce qui m'intéresse, c'est la nature de votre relation avec Monsieur Gerber. Oh. J'ignorais que la police pouvait nous interroger... Même dans un cas de suicide. Quand il s'agit vraiment d'un suicide. Vous voulez dire que ce n'est peut-être pas... que Joseph ne serait pas mort d'une mort naturelle? Vous considérez le suicide comme une mort naturelle? Je vous en prie, vous savez ce que je veux dire. Vous voulez dire qu'il s'agit d'un meurtre? Oui. C'est absurde. Il s'est suicidé. C'était à prévoir. Que voulez-vous dire? Joseph était un homme qui avait la maladie de la persécution. Il se sentait menacé par tout le monde. Aussi? J'ai appelé le médecin légiste. Il a fait une autopsie rapide. Et alors? Bien entendu, les résultats sont provisoires. Werner, tu as le don de faire durer le plaisir, alors dépêche-toi. L'heure du décès remonte à minuit et le médecin a constaté une forte concentration de produits anesthésiques dans le sang et dans l'estomac. Bien, maintenant cette affaire devient plus claire. Dis-moi, au fait, est-ce que tu sais que l'un des livres de Joseph Gerber parlait de problèmes avec une secte? Il l'a décrite sans indulgence. Bien, je vois que je suis le seul à n'avoir lu aucun de ses livres. Si tu jetais un petit coup d'œil dans cette maison... Si vous me cherchez, je suis ici. Bonjour. Madame Gerber, je dois vous poser quelques questions. Que pourrais-je dire de plus? J'ai déjà tout dit. Qui êtes-vous? Oh, excusez-moi, je m'appelle Kress et je suis de la police criminelle. Vous comprenez certainement pourquoi on nous a transmis cette affaire. De nombreux indices nous laissent penser que la mort de votre mari n'est pas un suicide. C'est bon, j'ai compris. Je ne suis pas complètement idiote. Joseph est mort. D'abord, on me parle d'un suicide et ensuite, on me parle d'un meurtre. Vous n'imaginez pas à quel point ça lui aurait plu. Il adorait les situations confuses. Il se sentait à l'aise dedans. Il aimait bien les mystères. Ça n'est pas qu'il les aimait,
et c'était une nécessité pour lui. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous hier soir? Il était tard? Très tard. Joseph n'était pas là, alors j'ai appelé Thomas. Thomas? Thomas Elmer est le grand ami de Joseph. Il était le grand ami de Joseph depuis des années. Il était d'ailleurs son seul ami. Après l'avoir appelé, je suis descendue à la cave. Pourquoi? Parce que le chien se comportait bizarrement. Il aboyait sans cesse. J'ai trouvé Joseph. Et voilà. Ensuite, la police est arrivée. Maintenant, laissez-moi seule. Pourquoi se sauve-t-il en courant? Peut-être que je l'ai un peu agacé. Tu as du nouveau? Pas grand-chose. Un certain Thomas Elmer est le seul et le meilleur ami de Joseph Gerber. Ça n'a rien de nouveau, je l'avais déjà découvert. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé là-dedans. Oui, et alors, ça contient quoi? Des menaces. Elles sont toutes récentes et naturellement, elles sont anonymes. Des lettres de menaces écrites à la main? Oui, et toutes avec la même écriture. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles parlent de la secte. Apparemment, Joseph Gerber avait blessé la sensibilité de l'auteur des lettres en publiant son livre. La secte? Et quelles sont les menaces proférées? Il a écrit textuellement « Dieu ou un être juste vous fera payer la punition que vous avez bien méritée. » Science et foi, bonjour. Je vous le passe. Bonjour, je m'appelle Reedman. La police? J'enquête sur un meurtre, madame. Êtes-vous sûr d'être à la bonne adresse en venant enquêter ici? Si c'est le siège de Science et Foi, je suis effectivement à la bonne adresse. La victime fréquentait-elle notre centre? Non. Je ne comprends pas, je... Il avait dénigré votre centre dans un livre. La victime est un écrivain connu. Je vais appeler Monsieur Stiglitz. Il est chargé des relations publiques de notre communauté. Peut-être que lui pourra vous renseigner. Oui, j'ai ici une personne de la police criminelle qui souhaite vous parler. C'est entendu. Monsieur Stiglitz vous attend. Bureau 203 au deuxième étage. Je vous remercie. Tout à l'heure, nous n'avons pas pu continuer. Tu as autre chose au sujet de Joseph Gerber? Je connais ses livres. Ce sont des romans intéressants. Son premier livre, c'est l'histoire d'une femme qui aime la sœur de son mari. Quant au second livre, il raconte l'histoire d'un homme qui trahit son meilleur ami. Et enfin, le troisième, c'est le livre sur la secte. Ce sont des autobiographies, j'imagine. Oui, peut-être. Revers prétend que Gerber était malade. Il m'a même raconté qu'il souffrait de la maladie de la persécution. À en croire ce qui lui est arrivé, il n'avait pas tout à fait tort de craindre son entourage. Désolé de vous avoir fait attendre. Je suis Monsieur Stiglitz, entrez. Je suis à votre disposition. Je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que le nom de Joseph Gerber vous est familier? Joseph Gerber, attendez. Je crois que c'est un écrivain. Je suis persuadé que vous connaissez bien ce nom. Il a écrit un livre sur votre centre. Joseph Gerber a été assassiné. Oui. Pour vous. On a quelque chose de nouveau? En fouillant un peu le bureau de la victime, Gert a trouvé des lettres de menaces dans lesquelles il est souvent question de la secte. Anonymes? Oui, elles sont anonymes. Indirectement, Joseph Gerber a été menacé de mort. Gert, toi, vous pourrez me faxer une de ces lettres en arrivant au bureau? Bien sûr, je m'en occupe. Et le numéro de fax? Votre numéro de fax? Vous n'allez pas un peu trop loin. Votre numéro de fax est secret? 685303. Merci. Tu notes, Léo? 685303. Ouais, je passe plus tard. Vous voilà enfin. Axel, tu as du nouveau? Oui. Joseph Gerber,
cachait un secret. Depuis le début, j'avais l'impression d'avoir déjà vu son nom lorsque je travaillais dans mon ancien service. C'était sur un rapport ? Tu vois cet homme-là ? Eh bien, Joseph Gerber l'a tué il y a 2 ans. Oh, qui est-ce ? Kurt Kowalski, profession serrurier, un homme irréprochable. Est-ce que tu attends pour nous dire la suite ? Ah, c'est une histoire simple. Ce Kurt Kowalski s'était introduit chez Joseph Gerber par la porte de derrière. Pourquoi ? Eh bien, personne ne le sait. Il voulait peut-être voler quelque chose ou bien demander son chemin. Et Gerber a tiré tout de suite. Oui. Devant le tribunal, il a déclaré qu'il se sentait menacé et qu'il avait tué l'autre en état de légitime défense. Et il a pu s'en sortir de cette façon ? Oui, et avec l'aide d'un bon avocat, il a été acquitté. Ça concorde avec ce qu'a dit Rover au sujet de sa manie de la persécution. Est-ce que M. Kowalski avait de la famille ? Je ne comprends pas du tout pourquoi vous venez chez nous. Parce que Joseph Gerber a été assassiné. Ça, je l'avais compris, mais je ne vois pas du tout le rapport avec nous. Dans son livre, il raconte comment votre secte s'est arrangée pour réussir à pousser un jeune homme à commettre un meurtre. Il s'agissait d'un roman. Dans les romans, on ne lit que des histoires inventées. Il arrive qu'elles rejoignent la réalité. Et Gerber avait mis le doigt sur un sujet délicat. Vous savez, nous vivons dans un autre monde. Ce genre de choses ne nous touche pas. Oui, je sais. Vous êtes une communauté de croyants. Venons-en au fait. Que voulez-vous dire, au juste ? Avez-vous des preuves quelconques ? Elle nous fait encore attendre. Elle doit s'entraîner pour son rôle devant son miroir. Quel rôle va-t-elle jouer ? Je l'ignore. Ce sera la veuve éplorée, ou alors la Lady Glaciale. Avec elle, on ne sait jamais vraiment où on va. Vous ne l'aimez pas ? Non. Aimiez-vous Joseph Gerber ? Il était mon ami de manière officielle. Et de manière officieuse ? Vous me posez des questions très indiscrètes, jeune homme. Si je le voulais, moi aussi, je pourrais vous poser des questions désagréables. Lesquelles ? Par exemple, vous êtes entré à mon service pour travailler sous un faux nom. Je m'appelle Sven Kröger. Non. Votre nom est polonais, il me semble. Kowalski, c'est pas ça ? J'ai très bien suivi le procès de Joseph alors qu'il était jugé pour un crime. Je vous ai reconnu sur une photo qui a été prise au tribunal lors d'une audience durant le procès. Vous êtes au premier rang. On vous reconnaît très clairement. Et alors ? Thomas. Comme c'est gentil d'être venu. Assieds-toi. Vous aussi. Je ne supporte pas qu'on reste debout derrière moi à m'observer. Vous m'observez, n'est-ce pas ? Pourquoi le ferais-je ? Pour constater si les larmes qui vont couler sur mes joues sont bien réelles. Épargnons-nous toutes ces belles phrases hypocrites. Thomas, tu haïssais Joseph. Quant à moi, je ne l'aimais plus. Puisque tu le dis, Yana. Et ton jeune secrétaire traînait souvent dans le secteur. Il se dégageait de lui un grand intérêt en ce qui concernait Joseph. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je ne lui ai jamais parlé. Vous ne laissiez jamais échapper une parole quand vous traîniez par ici. Vous observiez la maison comme si vous vouliez la cambrioler. Qu'est-ce que ça veut dire ? Yana, laisse donc ce garçon tranquille. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça, Thomas. Tu ne sais pas encore tout. Je sais déjà que Joseph s'est suicidé et je trouve que c'est bien assez. Mais tu ignores que la police est convaincue qu'en fait, c'est d'un meurtre dont il s'agit. On dirait bien une lettre anonyme. Qu'est-ce que vous comptez en faire ?
Pour nous, c'est un indice confirmant que votre secte n'est pas étrangère à cet assassinat. Combien de lettres anonymes recevez-vous tous les jours? L'homme qui a reçu cette lettre de menace a été assassiné. Nous l'avons retrouvé pendu dans sa cave. Vous devriez prendre cette affaire au sérieux. Que voulez-vous, au juste? Des noms. Vous ne les aurez pas par moi. Bien. Dans ce cas, vous prenez des risques. Des risques? Il se pourrait, par exemple, que le procureur nous demande de fouiller dans vos bureaux. Allez, ne soyez pas ridicule. Non, attendez. J'ai une proposition à vous faire, cher monsieur. Il se trouve que je reconnais l'écriture de cette lettre. Qui est-ce? Cet homme nous a écrit également plusieurs lettres. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps, nous avons été obligés de le renvoyer de chez nous. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait enfreint notre règlement. Il y a des choses qui ne regardent que nous. Il aurait dû se taire. Je suis un homme d'affaires. Si je vous donne le nom de l'auteur de ces lettres de menace, pourrez-vous nous assurer que notre communauté de croyants ne sera jamais ennuyée? Voilà tout ce que j'ai pu trouver concernant le procès de Joseph Gerber. Rapport du tribunal, article de presse et photos de journalistes. Werner, alors, tu as quelque chose? Ouais, mais il faut d'abord que je me calme, ce type m'a tapé sur les nerfs. Mais on dirait que tu es en colère. Ouais. Par contre, j'ai obtenu le nom de l'auteur de ces lettres anonymes. Vraiment? Alors, qui est-ce? Rudolf Bank, Kaufmannstrasse, au 8. Bien, Werner, bien. Mais ce que nous avons entre les mains est toujours insuffisant. Un homicide volontaire transformé en légitime défense et pour lequel Joseph Gerber a été jugé il y a 2 ans, puis acquitté. Et on a un homme qui lui envoyait des lettres de menace de façon régulière. Voilà, c'est tout. La vengeance est un bon mobile. Et le fanatisme religieux l'est aussi. Mais écoute, tout d'abord, nous devons nous occuper des personnes qui sont à ce jour les plus proches de la victime. Sa femme. L'ami de la famille, Paul Revers. Oui, et Thomas Elmer, c'est lui le premier à qui Yana Gerber a téléphoné. Axel, peux-tu aller tout de suite rencontrer ce monsieur Bang, s'il te plaît? Bien, monsieur le commissaire. Et toi, tu vas retourner voir Yana Gerber, je présume? Non, ce n'est pas moi qui vais le faire. Je suis sûr qu'elle parlera plus avec toi qu'avec moi. Bonjour, monsieur Bang. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez. Désolé, mais moi, j'ai rien à vous dire. Je m'appelle Axel Richter, je suis officier de police. Est-ce que je peux entrer? Non. Si, d'accord, entrez. Je veux voir votre carte. Sinon, je vous laisse pas entrer. Qu'est-ce que vous voulez? Reconnaissez-vous cette lettre? J'ai pas mes lunettes sur moi. Vous vivez ici? Oui. Alors vos lunettes sont sûrement dans la maison. Bonjour. Je m'appelle Kress et j'aimerais parler à monsieur Elmer. Il est là? Kress? Oui, de la police criminelle. Ah oui, eh bien, monsieur Elmer vient de rentrer à l'instant. Pourquoi, il était en promenade? Oui, nous sommes allés voir madame Gerber. Ah bon, et qui êtes-vous? Mon nom est Sven Kröger, je suis le secrétaire de monsieur Elmer. Ah, son secrétaire? En ce moment, monsieur Elmer rédige ses mémoires, je lui donne un coup de main. J'habite ici. Et c'est là que je prie aussi. Impressionnant, vraiment. Très impressionnant. Où avez-vous trouvé cette lettre? Chez un homme qui est mort hier soir. Il est mort? Vous avez envoyé cette lettre anonyme chez Joseph Gerber. Et maintenant, il est mort. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Cet homme a traîné nos croyances dans la boue. Il nous a tous humiliés. Est-ce une raison suffisante pour le menacer? Si vous aviez lu ce livre horrible,
vous me comprendriez. Connaissiez-vous Joseph Gerber personnellement? Oui, personnellement. Il est venu souvent chez moi. Il est venu ici? Oui. Mais ça fait longtemps déjà. Où est allé votre secrétaire, monsieur Elmer? Il est parti m'acheter quelques journaux. Ah, vous voulez sans doute lire les articles concernant Joseph Gerber? Naturellement. Je suis un vieil homme et je suis très curieux. J'ai curieux aussi. J'ai entendu dire que Joseph Gerber était votre ami. C'est exact. On m'a raconté que dans son dernier livre, il est question d'un homme qui trahit son meilleur ami sans l'ombre d'un scrupule. Oui. C'est un livre étonnant et je le trouve très bon. Est-ce que l'homme dont parle ce livre est Joseph Gerber et vous, cet ami qui a été lâchement trahi? C'est de la littérature. Et vous la prenez trop au sérieux. Bien, je te verrai plus tard. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Vous me suivez? Ça m'en a tout l'air. Qu'est-ce que vous me voulez encore? À votre bureau, on m'a dit que je vous trouverais ici. Et alors, que voulez-vous? Vous interroger. Pouvez-vous me dire quelle était votre relation avec le couple Gerber? Vu votre flair, vous savez sûrement déjà que je dirige une maison d'édition. Mais vous n'étiez pas l'éditeur de Joseph Gerber? Pas encore. Je devais publier son prochain livre. Et quel livre? Celui qu'il était en train d'écrire. Il n'a pas pu le terminer, bien sûr. Et Yana Gerber, sa femme? Que lui voulez-vous? Comment connaissez-vous Yana Gerber? Je la connais assez pour ne pas en parler. Vous venez me voir? Oui. Vous devenez envahissant. Que voulez-vous? Je peux repasser plus tard. Vous avez le mérite d'être poli. D'accord, venez entrer. Si vous refusez de me parler de votre relation avec Yana Gerber... Je vous demande de laisser Yana tranquille. Elle en a assez, la police. Si vous ne voulez pas me parler d'elle, dans ce cas, parlons de Joseph Gerber, la victime. La victime? Vous ne le connaissiez pas. Et vous avez eu de la chance, croyez-moi. Alors, en d'autres termes, vous ne le portiez pas dans votre cœur. Vos termes courtois me tapent sur les nerfs. Je n'aime pas l'ironie. Cet homme était un malade, le roi des égoïstes. Pourquoi? Il ne pensait qu'à lui, ses succès littéraires, sa réputation. Tous les autres étaient ses ennemis. Il était tellement méfiant qu'il contrôlait presque ses invités pour voir s'ils n'étaient pas armés. Et vous et Yana Gerber? Ça suffit, disparaissez. Cet endroit est ma pièce. Mon univers. Depuis que Joseph est mort, je ne me sens bien qu'ici. C'est votre bureau? Mon bureau, en effet. Mais prenez place. Naturellement, vous n'êtes pas au courant et je ne peux pas vous en vouloir. Mais j'écris, moi aussi. Vous êtes écrivain, vous aussi? Oui. J'écris des livres pour enfants. Avec un mari comme le mien, je ne pouvais pas rivaliser. Où étiez-vous la nuit dernière à minuit, monsieur Revers? Je dormais. Dans quel lit? Dans mon lit, dans ma chambre à coucher et chez moi. Que voulez-vous, que je vous fournisse un bon alibi? Si vous connaissez mieux Yana Gerber que vous me le dites, oui. Qui édite vos livres, madame Gerber? Vous ne l'avez pas deviné? Paul Revers. L'homme qui était chez vous hier? Il gagne beaucoup d'argent avec moi. Quelle est votre relation avec Paul Revers? Vos questions manquent d'imagination, jeune homme. Je ne suis pas écrivain. Enfin. Même si je me tais,
Vous finirez bien par découvrir toute la vérité. Paul Revere est mon amant. Ah. Joseph Gerber, le faux témoignage. Je vois que le bon chien de chasse que vous êtes a enfin trouvé une bonne piste. Les policiers ne devraient pas toucher à la littérature, c'est un art qui les dépasse. Quelle était votre relation avec Joseph Gerber? Je le connais depuis ma plus tendre enfance. Nous avons tout partagé ensemble. Ça, c'était autrefois. Moi, je vous parle de maintenant. Pour moi, c'était la seule personne avec laquelle je pouvais parler sans faire attention à ce que je disais. Où étiez-vous la nuit dernière? Je veux dire, aux environs de minuit. J'étais chez moi, installé dans mon fauteuil. Oui, mais aucun témoin ne peut le confirmer. Si. Mes livres. Je m'assois souvent ici. Maintenant que je suis seul, et je réfléchis. Pourquoi êtes-vous seul? La communauté science et foi m'a rejeté. Je n'ai plus le droit d'aller aux réunions ni aux conférences. Et pourquoi? Je vais tout vous dire, vous comprendrez. Quoi? Il y a 3 ans maintenant que Joseph Gerber est venu me voir chez moi pour la première fois. Et il était aimable et surtout très compréhensif. On a sympathisé très vite. Qu'attendait-il de vous? En réalité, il a tout fait pour gagner ma confiance. Alors je lui ai tout raconté. Je croyais qu'il était un des nôtres et qu'il voulait se joindre à nous. Seulement en réalité... Oui? En réalité, il a fait ça pour publier un ignoble bouquin sur notre communauté. Alors c'était donc vous, son informateur? Quand les autres l'ont découvert, ils m'ont rejeté. Et depuis ce jour, vous détestez Joseph Gerber? Oui. Mais je ne l'ai pas tué. Où étiez-vous la nuit du meurtre, à minuit? J'étais ici. Seul? Non, avec des voisins. Nous avons médité. Je vais les interroger. Faites votre travail. Voulez-vous savoir pourquoi je n'écris jamais de livres pour adultes? Je ne veux pas devenir comme Joseph, mon mari. Que voulez-vous dire? Vous voyez ce livre? C'est une imposture. Imposture? Lorsque Joseph était encore inconnu et qu'il cherchait à percer, un de ses bons amis lui a donné un de ses manuscrits à lire. Il avait presque terminé ce manuscrit. Joseph devait lui donner... J'aimerais vous raconter encore une histoire. C'est l'histoire d'une femme mariée à un célèbre écrivain qui lui vole la vedette. C'est une histoire vraie? C'est à vous de le deviner. Cette femme souffrait beaucoup de la réussite de son mari. Elle était très ambitieuse et elle lui en voulait. Elle le trompait. Et au début, c'était pour se venger et ensuite, c'est devenu plus sérieux. Sérieux comment? On ne peut pas parler d'une histoire d'amour. Cette femme ignore ce que c'est. Seulement, elle avait un amant et un jour, l'écrivain a bien fini par l'apprendre. Comment a-t-il réagi? Comme c'était un être très vaniteux, c'est son orgueil qui a été touché le plus profondément dans cette histoire. Mais c'est là que j'arrête ma narration. Il me manque les noms. Mais je ne suis qu'un narrateur et pour moi, les noms sont tous fictifs. Alors, je vais vous les donner. L'écrivain en question, c'est Joseph Gerber. La femme qui prend un amant, c'est Yana Gerber. Et le fameux amant, c'est Paul Revere. Alors, comment s'appelle cet ami que votre mari a trahi?
Il l'a longtemps détesté. Mais ils sont quand même restés amis. Le détestait-il au point d'avoir voulu le tuer? Posez-lui vous-même la question. Cet ami s'appelle Thomas Elmer. Bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Sven Kröger, je suis le secrétaire de M. Elmer. Ah, je suis Axel Richter, de la police criminelle. Je viens chercher mon chef. Oui, bien sûr. Entrez, je vais aller le présenter. Oui? Il y a un monsieur qui voudrait parler à M. Kress, il peut entrer? Oui. Allez-y. Commissaire Kress? Non, je m'appelle Hyman, mais asseyez-vous. Merci. Monsieur Kress est absent pour l'instant, mais si je peux vous aider, de quoi s'agit-il? Léo n'est pas encore là? Non, Axel est parti le chercher. Rudolf Bang aurait pu le tuer, seulement il a un alibi et je l'ai vérifié. Pourquoi dis-tu qu'il pourrait l'avoir tué? Joseph Gerber s'est servi de ses informations pour écrire son livre sur la secte, à la suite de quoi les gens de Science et Foi l'ont mis dehors. Il avait tout lieu de haïr Joseph Gerber après un coup pareil. Ah oui, et je peux te dire qu'il le hait. Et alors, son alibi? À l'heure du crime, il était chez lui avec deux de ses voisins. Je les ai interrogés, ils ont confirmé ses déclarations. Je connais peu de personnes qui feraient un faux témoignage pour un simple voisin. C'est vrai. Et toi, tu as du nouveau? Très bien, nous vous écoutons. Est-ce que je peux me lever et marcher? Ça m'aide quand je discute. Je vous en prie, faites comme chez vous. Lorsqu'en écoutant la radio, j'ai appris que Joseph Gerber avait été assassiné, je me suis dit qu'il était de mon devoir de venir vous voir. C'est une excellente réaction. Comme ça m'arrive parfois, hier soir, je suis sorti marcher. J'avais besoin de réfléchir tout seul. Et cela, je ne peux le faire qu'en marchant. Je prends toujours le même chemin qui passe devant chez M. Gerber. J'aime bien passer devant chez lui. J'aime beaucoup ce que ce monsieur écrit. Oui, et alors, vous avez vu quelque chose? Oui. Un jeune homme. Il se faufilait dans le jardin de la maison. J'ai découvert autre chose. Cela va peut-être t'intéresser. Ah oui? Eh ben, vas-y, raconte. Quand je suis arrivé chez Thomas Elmer tout à l'heure pour te récupérer chez lui, c'est un jeune homme qui m'a ouvert. Oui, Sven Kröger, le secrétaire de Monsieur Elmer. Il ne s'appelle pas Sven Kröger. Comment ça? Non, je l'ai immédiatement reconnu. Son nom, c'est Bernd Kowalski. Kowalski? J'ai parcouru le dossier du procès de Joseph Gerber dans lequel il y a des photos prises au palais. Entre autres, une photo du fils de la victime. Il n'y a aucun doute. Sven Kröger s'appelle Bernd Kowalski. Et Joseph Gerber est le tueur de son père. Comment se fait-il que tu rentres déjà? Je peux savoir ce que tu fais? Le jeu de cache-cache est terminé. Un des policiers m'a reconnu. Il te l'a dit? Non. Il n'a pas eu besoin de me le dire. Son regard a suffi. Je m'en vais. Mais pourquoi? Tu n'as rien fait. En es-tu certaine? Joseph Gerber ne s'est pas suicidé. On l'a assassiné. Et je n'ai pas envie d'être mêlé à cette affaire. Je te téléphone. Il vaut mieux que tu ne saches pas où je vais. Salut. Voilà, je vais vous demander de relire et de signer en bas. Monsieur vient de faire une déposition. Herbert Vogt, Monsieur Kress. Bonjour. Bonjour. Hier soir, vers minuit, l'heure présumée du crime, il a aperçu un jeune homme dans la propriété de Gerber. Est-ce que vous pourriez le reconnaître? Peut-être. Je peux m'en aller? Oui, mais nous aurons encore besoin de vous. Probablement dès demain matin, nous allons procéder à une confrontation. Thomas, merci d'être venu. Tu sais bien que je ne peux rien te refuser, Yana.
t'ont demandé les policiers? Un tas de choses. Tu leur as parlé de Paul et de moi. Oh, tu ne les as pas dissuadés que j'avais un mobile pour le meurtre. Regarde ce que nous sommes devenus. Des êtres égoïstes, des êtres sournois. Et qui plus est, peureux, Yana. Joseph serait certainement content de nous voir dans cette situation. T'appelles à Saint-Désiré. Allez, dépêche-toi, j'ai pas le temps. Disponibilité du compte zéro. Tous les soupçons se portent sur ce Sven Krüger alias Bernd Kowalski. Il vit sous une fausse identité, il connaît les lieux et il a un sérieux mobile, la vengeance. À cela, on peut ajouter qu'à l'heure présumée du crime, un témoin a aperçu un jeune homme dans le jardin de la victime. Et voilà, c'est parti. Dis donc, ça peut pas attendre jusqu'à demain. Non, il vaut mieux battre le fer pendant qu'il est chaud. Entendu. Et les autres? Après tout, ils ont eu un mobile aussi. Je me les garde au chaud. Oh, t'as raison. Oui, Elmer? Allô, c'est moi, monsieur Elmer. C'est vous, Sven? Et que vous est-il arrivé? Je pensais que vous aviez disparu. Il faut que je m'en aille. C'est assez urgent. Quoi? Vous voulez vous enfuir? J'ai un service à vous demander. Je n'ai pas d'argent. Vous pourriez me faire une avance sur salaire? Sans problème. Vous pouvez venir chercher l'argent à la maison. Non, c'est trop risqué. Je comprends. On pourrait se retrouver à la patinoire du prince régent, porte sud. Porte sud. C'est très bien. Je suis là dans 30 minutes. Léo, je descends à la cafétéria chercher à manger. Tu veux que je te remonte un sandwich? Oui, merci, Axel. Salami ou jambon? Pour ce que tu trouveras. D'accord. Police criminelle, commissaire Kress. Commissaire Kress, ici, monsieur Elmer. Ah, bonsoir, monsieur Elmer. Seriez-vous intéressé de savoir où se trouve mon secrétaire en ce moment? Ah oui, c'est sûr. Eh bien, il m'attend à la patinoire du prince régent dans 30 minutes, porte sud. Bonsoir, nous voudrions parler à Sven Krüger. Nous sommes de la police, nous avons des questions à lui poser. Alors, est-ce qu'il est là? Sven avait raison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ne vont pas me laisser tranquille, c'est ce qu'il a dit. Vous savez que Sven Krüger n'est pas son véritable nom? Son vrai nom est Bernd Kowalski. Je le sais depuis longtemps, il ne s'en est jamais caché. Seulement Bernd est parti, si ça se trouve, il a déjà passé la frontière. Où est-il? Ça, je n'en sais rien. Bonsoir, monsieur Kowalski. Elmer m'a dénoncé. Ah, vous espériez autre chose? Oui. Nous avons quelques questions à vous poser. Veuillez nous suivre. Allez, en route. Asseyez-vous.
Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Je n'ai rien à vous dire. Voilà qui m'étonnerait. Vous vous promenez sous une fausse identité, pourquoi? Votre père s'appelait Kurt Kowalski. Joseph Gerber l'a assassiné. Seulement, il a réussi à convaincre le tribunal qu'il l'a battu en état de légitime défense. Et il est ressorti libre. Le poste que vous occupez chez M. Elmer vous permettait d'approcher Joseph Gerber. Vous avez pris cet emploi parce que vous saviez que les deux hommes se fréquentaient. Je répète, je n'ai rien à vous dire. Tiens, il est là, lui. Son ami nous a dit qu'il devait déjà être loin. Son employeur nous l'a donné sur un plateau. Monsieur Kowalski, je vous mets en état d'arrestation. Bon, terminé pour ce soir. Demain matin, nous ferons la confrontation. Bien, maintenant, vous ne bougez plus. Vous regardez droit devant vous et vous ne dites rien. Voilà, monsieur Focht, vous n'avez absolument rien à craindre. Inutile d'être nerveux. N'ayez pas peur, c'est une glace sans teint. Alors, y a-t-il parmi eux l'homme que vous avez vu dans le jardin de monsieur Gerber? Je vous rappelle qu'il faisait nuit. C'est vous qui nous avez dit que vous pouviez le reconnaître. Oui, c'est vrai, je l'ai dit. Prenez votre temps, monsieur Focht. Le numéro 4. Lequel, dites-vous? J'en suis tout à fait certain, c'est le numéro 4. Vous en êtes absolument certain? Oui. Il était près de la maison, il a regardé par une fenêtre qui était éclairée. C'est là que j'ai vu son visage. Je suis sûr de ce que je dis. Vous avez été reconnu. Un homme vous a vu le soir du meurtre dans le jardin de la victime. Oui, c'était dans le jardin. Je suppose que vous aviez l'intention de venger la mort de votre père, n'est-ce pas? Non. Que faisiez-vous là-bas? Pourquoi vous êtes-vous présenté chez Thomas Elmer sous un faux nom si vous n'avez rien à vous reprocher? Parce que je voulais être à ses côtés. Aux côtés de qui? Aux côtés du meurtrier. Pourquoi? Vous ne pouvez pas comprendre. Eh bien, essayez de nous l'expliquer, on verra. Joseph Gerber a assassiné mon père. Nous le savons déjà. Pourquoi vouliez-vous être à ses côtés? Je voulais le connaître. Je voulais découvrir comment je pouvais lui infliger la plus grande souffrance. Et vous ne vouliez pas le tuer? Non, c'était beaucoup trop facile. Que faisiez-vous dans le jardin cette nuit-là? J'ai marché à pas de loup jusqu'à la maison et ensuite j'ai regardé par la fenêtre. La lumière venait du bureau. Ensuite? Je voulais trouver le moment favorable pour le faire souffrir et pour ça, il fallait que je sache tout sur lui. Et alors? Qu'avez-vous vu? C'est lui que j'ai vu. Le meurtrier de mon père qui allait et venait dans son bureau. Il rangeait ses étagères de livres. Avez-vous remarqué quelque chose qui vous est paru bizarre? Non. À part qu'il faisait ça avec des gants. Qu'est-ce que vous dites? Il rangeait son bureau avec des gants? Oui, des gants en cuir noir. Je pensais qu'il s'était peut-être blessé. Ben, Axel, monsieur Kowalski peut se retirer. Gert prend rendez-vous avec le juge d'instruction. Où est ton jeune secrétaire? Probablement que la police l'a déjà arrêté. Pourquoi? Ton mari a tué son père il y a 2 ans. Et toi, tu étais au courant? Oui, dès le début. Et tu n'en as jamais dit un mot à Joseph? Tu crois que j'aurais dû le lui dire? Bon, il est grand temps de faire le bilan. Alors, qu'avons-nous? Nous avons une femme mariée qui a un amant, et d'autre part, Madame Yana Gerber est seule héritière de la fortune considérable de son mari. Ensuite, nous avons Paul Reuver, son amant, qui est certainement ravi de s'être débarrassé de son concurrent.
Puis le meilleur ami, Thomas Elmer, trahi par Joseph Gerber, qui lui a volé son manuscrit et par là sa réussite. Et enfin, Sven Kröger, alias Bernd Kowalski, dont le père a été assassiné. Et n'oublie pas, Bang, que Joseph Gerber a utilisé comme informateur. Ils ont tous un bon mobile. Ils détestaient tous la victime. Pouvez-vous me dire pourquoi Joseph Gerber portait des gants de cuir dans son bureau? Nous n'en avons aucune idée. C'est pourtant très important. On a des mobiles, on a des suspects, mais on n'a pas une seule piste concrète pour le moment. Werner. Qu'est-ce qu'il y a? Werner, pourquoi une personne porterait-elle des gants dans un bureau? Pour ne pas laisser d'empreintes. Exact. Dis-moi où est la feuille que tu as trouvée à côté du corps. Avec le dossier. Ah, ben oui, là voilà. La fameuse page 68. Oh, bien sûr, on est tous aveugles. On va tout de suite au bureau de Gerber. Suivez-moi. Bonjour, excusez-nous de vous déranger de nouveau. Il lisait peu de temps avant sa mort. Il lisait toujours plusieurs livres en même temps. Cherchez la page 68 de chacun de ses livres, messieurs. Je ne trouve rien. Mais qu'est-ce que tu cherches ? Si je le savais, je te le dirais, mais je l'ignore encore. L'ordinateur, Léo. L'ordinateur? Ah. À quoi votre mari travaillait ces temps-ci? À son roman. Il lui avait donné pour titre Le Testament. Le Testament. Tu sais te servir de ça? Je vais essayer. Tu as entendu? Le titre est Le Testament. Voilà, c'est le début du texte. Essaie de me trouver la page 68, s'il te plaît. Bien, imprime-la-moi. Gerd, tu vas fouiller les poubelles de la maison et tu regardes si tu me trouves une paire de gants en cuir noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me devez une explication, il me semble. Madame Gerber, je vais vous demander de venir cet après-midi à 15h avec Monsieur Rever chez Thomas Elmer, s'il vous plaît. Votre mari nous a tous pris pour des idiots. Je les ai trouvés dans une boîte de vieux chiffons. Et il y avait ça avec. Le produit anesthésique. Oui, c'est une affaire classée. Entrez, je vous prie. Monsieur Kress sera là d'un instant à l'autre. On dirait le dernier chapitre d'un mélodrame écrit par le plus mauvais des romanciers. Je n'aime pas les mauvais romans. Oui, mais là, ce n'est pas un roman. Je suis ici uniquement parce que Yana me l'a demandé. Nous devons nous rendre à l'enterrement de Joseph. Bonjour. Est-ce que vous tenez enfin le coupable, monsieur Kress? Oui. Alors, qui est-ce? Écoutez-moi, ça vaut la peine. Lorsque vous lirez cette lettre d'adieu, si toutefois vous la retrouvez un jour, je serai déjà mort. Je mettrai moi-même un terme à ma vie, mais je ferai en sorte de ne pas faciliter la vôtre. Peu avant ma mort, j'absorberai un produit anesthésique, ce qui me laissera encore le temps de cacher les gants et les médicaments utilisés. Je mettrai tout ça dans une boîte de vieux chiffons et ensuite je me dépêcherai de descendre à la cave. Je ne toucherai absolument rien, sauf la corde que j'ai l'intention de me passer au cou. Pourquoi je fais tout ça? Parce que ma femme me méprise, et je le sais. Et elle a pris un amant. Et cet amant prétend être mon ami, c'est un tricheur. Mon seul véritable ami, je l'ai trahi en lui volant la gloire qui lui revenait de droit. D'autre part, une secte me menace par des lettres anonymes, et il y a 2 ans, j'ai tué un homme, puis j'ai plaidé la légitime défense. Je n'arrive pas à oublier sa mort. Je ne laisse derrière moi que de la haine et quelques mauvais livres. Pourtant, je ne regrette rien.